David Cormon, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, demande dimanche, sur France Info, du temps pour reconstruire une médiation à Notre-Dame-des-Landes. Plus David Cormon, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, va participer dimanche 15 avril à midi à un rassemblement sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, Loire-Atlantique. Il a indiqué auparavant sur France Info que l'objectif de sa présence est d'affirmer le refus de la violence, notamment celle dont fait preuve le gouvernement. Ce rassemblement intervient au lendemain d'une manifestation à Nantes où des milliers de personnes ont défilé dans une ambiance très tendue. David Cormon a demandé du temps pour reconstruire une médiation et trouver des solutions pour, dans le cadre du droit, installer des paysannes et des paysans à Notre-Dame-des-Landes. Énormément de tristesse, de colère et de frustration d'après le ministère de l'Intérieur. 12 personnes ont été interpellées dans la manifestation de samedi. Le patron des Elve, pour sa part, condamne toutes les violences d'où qu'elles viennent. « Je suis écologiste donc très attaché à la non-violence. » David Cormon dit par ailleurs regretter l'action des forces de l'ordre qui, il y a 6 jours, alors qu'on était en train de sortir par le haut de ce long combat, ont décidé d'intervenir sans laisser le temps de trouver des solutions durables. Selon lui, ces affrontements sont dus au fait qu'un certain nombre de paysans étaient en train de discuter avec